Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Katox. Salut Katox! Salut! Ici c'est bien sûr le Signe Noir et on continue notre petite aventure. Alors la dernière fois de mon côté j'avais géré Jeanne. Et je pense qu'on va pouvoir pousser assez aisément jusqu'au bout, quoique Firuis est bien protégé. Hein. Firuis est très bien protégé, mais bon, c'est une ville mineure donc on devrait pouvoir la faire tomber quand même, elle a même pas de mur du coup. Voilà, les batailles de colonies seront des batailles de colonies non fortifiées, on va pas se plaindre quand ça nous arrange. Hein. Par contre, on avait nous de notre côté toute l'Est à gérer, notamment il y avait Manfred et Gael'dead qui avaient de quoi faire, quoique le canard... Ici il peut rien faire malheureusement vu qu'il n'y a pas de héros, il n'y a personne à tuer, donc on va se contenter de le faire avancer. On va le faire rentrer dans notre zone. Donc avec cette armée là, elle est pas franchement d'élite. Enfin, il y a quand même quelques guérines des Kara, mais je pense pas qu'il pourra aller très loin. Il pourra prendre ça et derrière il tombera sur le territoire un petit peu plus énervé. On va s'occuper un petit peu de repousser les lézards. Ah, t'es sérieux, tu peux pas aller plus loin, Manfred? Ah, t'es tellement lent dans la jungle. C'est terrible. Bon, tant pis. Ici, il y a deux armées dans le mal, celle-là même en marche forcée. Elle ira pas loin. Donc notre objectif c'est de buter Kalida et de faire tomber Libaras. Et là on sera bien. De son côté, Daedino. Ouais, je comprends, c'est vrai, hein, vous avez raison dans les commentaires. Hein, mes revenus ils se cassent la gueule parce que j'ai tellement de force. Ça joue. On est bien d'accord. Ouais, ça va, fait genre t'as des revenus. Bah quand même, j'en ai quelques-uns. Un petit peu. Ouais, c'est. Il y en a qui ont de la chance. Il y en a qui sont pas pauvres, il y en a qui ont du territoire ici. Mais. Chobiti, elle avait fait son taf. Ouais, Chobiti, elle avait travaillé. Je peux plus la déplacer. Je peux pas le faire, elle est trop proche. Il y a un bâtiment ici que je pourrais construire. Ici, des murs, ce serait pas mal. En attendant, on peut faire une cabane du forestier. Ouais. Bon, c'est relativement pas sécurisé, mais de toute façon, le temps de faire des murs, ça sera pas plus sécurisé. Donc, on va sécuriser ça à coup de pied dans le derche. Ça sera bien, je pense. C'est parti pour un petit passage de tour. Négociation en cours. Ah, tu m'as lancé un truc? Non, je regardais si j'avais bientôt claqué. Ah oui, ok. Bon, puis il va peut-être être temps de s'occuper des... Pourquoi il se passe rien là? Ah, t'as tes héros qui doivent se déplacer, ouais, ok. Il fallait le temps de s'occuper peut-être du premier livre de Nagash et de l'armée hyper vénère qui est dans le coin. Ah, ici il y a un assaut. Ah oui, lui il descend, ok, pas de soucis. Ça me surprend pas plus que ça. Faudrait que vous voyez que si j'arrive à négocier éventuellement un petit accord avec Grimgor là, pour qu'il vienne pas m'emmerder. Alors, on a perdu cette colonie qu'on finit pas d'être rasée. Intrusion des répurgateurs. Où ça? Dans les marais du destin. Moins 40 de corruption empirique, voyez-vous ça? Ici, je pense qu'on va aller par là. Là, s'il veut prendre notre cité, on va accepter un petit peu de corruption.
De corruption, d'attrition, pardon. Et s'il veut prendre notre cité, on lui tombera dessus au prochain tour, il n'ira pas beaucoup plus loin. Ici par contre, elle recrute en masse l'autre là, il est temps de l'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a en face? La catapulte, des archers, chevalier des nécropoles, du char. Ah, y a Kalida. Allez. On peut se permettre de perdre quelques troupes, c'est pas gênant. Ah oui, le fameux plus 2 de rang au recrutement pour les unités lance projectile, très très utile pour nous. Voilà, l'objectif de toute façon de Libaras, c'était de se débarrasser des bâtiments de recrutement pour qu'ils puissent plus recruter de la qualité. On va se re-remplir avec un truc comme ça. Oh, c'est quoi cette armée avec que des seigneurs là? Alors toi, est-ce que t'as des idées pour gérer un petit peu mieux ta troupaille? Bah, il me faut des thunes déjà pour commencer. C'est une base qui est relativement certaine. Après, je vais remonter vers le nord petit à petit, mais parce que j'ai Itza qui s'est bien réveillé et j'ai mine de rien Bordelot qui commence à être un petit peu ma stock. Et Luthor, il est en train de se faire petit à petit grignoter, donc je vais remonter. Tenter d'aller remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Je comprends. Une mine d'or améliorée, on prend. You dare. Bring it all to me. Shuffle this way. Bon, on va devoir y aller en raid. On peut prendre trop d'attrition. Tic-tac-toe qui arrive. Avec une armée pleine de bastiladons sauvages et de skink. On n'avait pas moyen de recruter d'autres banshees, hein. J'avais pas le bâtiment pour les banshees. Ah, il faut un puits à esprit. Ouais, faut que je vois pour développer un peu mes agents moi aussi, parce que c'est quand même problématique. Ouh, Grimgor est juste derrière moi. Rang de force 2. Ouais, amuse-toi bien avec lui. Il veut pas un pack de non-agression, c'est terrible. Mais bon, non, il est loin, hein. Il est très très loin, il y a tous les chevaliers de Calédor, le clan Morse et tout sur le chemin. Bon, même si le clan Morse il est un petit peu dans le mal, on va pas se mentir. Et tiens d'ailleurs, j'ai pas regardé le recrutement allié. Ah oui, je commence à avoir quelques points. Je pourrais faire un petit recrutement allié, recruter peut-être genre des coureurs d'égout ou des saloperies comme ça là. Est-ce qu'il a des foreuses à Malpierre? Ouais, non, ça c'est nul, pas besoin de ça. Ok, va falloir qu'on voit ça la prochaine fois qu'on aura une petite armée avec des places disponibles. C'est quoi cette mission? Raser Argalis? Ouais, alors non. Non, clairement pas. Bats and wolves gather. Drag them to our necrotic embrace. Allez, pustule premier. Rase-nous cette cité.
Ah, tu vois, moi je me finance clairement en rasant les villes et en les pillant, quoi. C'est ce que j'ai fait. Le problème, c'est que derrière, j'aurais besoin de les reprendre, et donc je perds un peu quand même. Ah ouais, mais je les rase pas complètement, je les pille et occupe. Ah oui. Ça suffit pour se faire un petit paquet de pognon, quoi. Alors, ici, on peut retenter un petit assassinat, histoire de voir si on peut pas choper un baiser de sang supplémentaire. Ok, elle a gagné plein de trucs, mais elle a échoué. Ouais, on est au niveau max, on peut pas faire mieux. On va prendre ça, ça sera toujours ça de prix. Du coup, t'as gagné des suivants. Un fossoyeur, pas très utile dans ton cas, le miroir tu l'as déjà. Le miroir il est bien en vrai, hein. C'est l'objet que tu gagnes quand t'échoues une action, mais il est trop bien quoi. Plus 12% de champ de vision, ça fait carrément plaisir. Hein. Toi tu vas prendre ça. Et ça. Quoique le canard. Alors là, on a un niveau. On va améliorer ça. Dédé le Maccabée. Il est pas encore immortel, Dédé le Maccabée. Hein. Pustule le premier, par contre, il est immortel, ça y est. Provoque la terreur, mais t'es un écrarque toi, donc c'est pas forcément ça, c'est bien ça. Putain, il nous faut 14 000 balles pour améliorer ça. Oh, ça pique. On va commencer à économiser. Hein. Hop là, je passe le tour. Désolé, je vois que tes tours sont un petit peu plus rapides que les miens. En même temps, j'ai une armée à gérer, donc... un jour. Ah non, j'ai une deuxième armée, mais il y a un général et deux troupes dedans, c'est juste... Elle est là pour faire pour la beauté. Ouais, pour éviter les éventuelles charges, mais c'est pas... Comme je le disais en commentaire, hein, mon objectif c'est clairement de... Alors, toi tu veux une alliance défensive, alors que tu vas mourir tu me files 1000 balles... Ah non, t'as encore de quoi résister un peu par là. Tu me files un peu plus que 1000 balles. Alors attends, on va demander un équilibrage, 1274, voilà. Ça me dérange pas, de toute façon, soit tu crèves, soit tu me seras utile. Petite alliance défensive avec une côte vampire qui n'est pas toi. Mon dieu, tu m'as trahi. Alors, ok, donc ici comme prévu, hein, l'objectif c'est clairement de pas... le lézard, je pousse pas mon avantage dessus pour l'instant, parce que je veux en finir avec le... Avec le... Comment il s'appelle, le roi des tombes là. Par contre, putain, il est un petit peu trop loin là. Putain, il est relou à se mettre hors de portée, il peut passer par où? Il peut aller où? Je peux le coincer genre en allant par là du coup. En mettant dans la cité en fait, c'est pas si mal. Je vais me refaire. Faut qu'on élimine un petit peu. Quoique le canard, tu vas t'entraîner à blesser les gens plutôt que lancer des sorts finalement.
nous faut 12 baisers de sang pour gagner le moins 10% d'entretien. Ok, ok, on va aller le chercher, pas de problème. Ici, on va faire tomber Lamia. Lamia qui est bien protégée, mais pas tant. Oh, si, quand même bien protégée. 4 tours avant que ça soit fini. Ici, on va construire ça, tant pis. Mais la peine d'économiser pour ça, mais. On va prendre la fameuse tech qui augmente les points d'allégeance, même si c'est franchement pas ouf dans le contexte. Alors, est-ce qu'un lance-feu malflamme ça ferait bien dans l'armée? Ouais. Je suis pas convaincu. Des vermines de choc avec Albarn pour avoir vraiment des vrais anti-larges par contre. Ce serait pas dégueu. Chobitiki assassine à tour de d'ectoplasme. Ouais, et toi t'arrives à progresser sur ta pointe là? C'est terrible ça. This will achieve nothing. You dare unleash undeath. Ah, on serait sur une victoire de justesse, on va pas se faire chier, on la prend. Piller et occuper, c'est ça qui permet de d'investir. Et d'aider le Maccabé devient immortel. Ça c'est beau. Ça va lui servir. Carrément. Ça va lui être très utile même. Ça c'est pas forcément utile, ça par contre on va améliorer, ça on s'en fout, on s'en fout pas. Ah mais du coup ici je peux recruter des rois revenants, bah voilà qui est très bien, pourquoi je peux pas? Ah mince, j'en ai déjà le max. Zut. Pas cool. Ouais, on va le garder ici parce que ça pourrait être une tête de pont de recrutement là, donc pourquoi pas. On a un pack de non-agression avec lui? Non, on a juste du commerce hein. Donc peut-être qu'il va, être un moment temps de d'aller jouer un petit peu avec Arcane. Ah, et cette magnifique armée du livre de Nagash. Deux hommes arbres, deux bastilodons à renaissance, un stéganon ancestral, des dryades, des forestiers, des gardiens du temple. Je pense qu'on va être bien. On va le faire. Je pense que ça va être une bataille un petit peu épique. Alors ici, il s'est approché à portée, il est en quoi? Astromancie. C'est pas ouf. Donc on peut lui tomber dessus. C'est
parti. On l'envoie au sol, tic-tac-toe. Bats and wolves, gather. En plus, on peut même se remettre en raid du coup. Soon I'll be all powerful. Daedino, mine de rien, il progresse. Hein. Il lui reste Zlatan à lui. Ah non, il reste encore quelques trucs derrière là. Ok. Et après, on pourra remonter sur les hommes lézards là. Et ça, c'est beau. On aura tout ça. Le camp d'Orion, toujours pas d'accord. Même pas en échange de thunes. Si je lui donne tout. Ah non. Il en veut pas. Ok, très bien. J'espère qu'il va pas venir m'emmerder. Au niveau du commerce. Au niveau du commerce, on exporte à 100%. Hein. Mais on a dit qu'on économisait un peu. Prendre ça. Je veux monter ma capitale au niveau max. Nostradamus, tireur d'élite sylvanien. Est-ce utile? This better be important. Ah oui, je peux faire un poste avancé chez Machine là. À Sartosa, il y a zéro unité recrutable parce qu'il est toujours en train de se faire assiéger quoi. Ah, il quitte, il a fait du caca. Il a passé tellement de temps à faire le siège de Sartosa que ses unités elles peuvent pas disparaître parce qu'elles peuvent pas prendre plus d'attrition quoi. Il est au minimum de vie toutes ces unités. Tu éternues dessus, il est mort. Là du coup il attend que le siège se passe parce que la garnison dans la ville est tout autant morte quoi. Un siège d'anthologie quoi. Ah putain. Oh, ils sont nuls. Sérieux. Alors, on va pas faire un poste avancé là du coup. Les marais du destin, non. On a un ordre. Ah ça c'est bien par contre. Ici on peut mettre un ordre. On va partir là-dessus. Et on passe le tour. C'est parti. Bon, un petit peu moins de bataille jouée pour l'instant. Mais bon, c'est vrai que ça permet d'avancer un peu quand même. Alors. Ok, elle se replie la lyonnaise là. Elle est partie. Boom. Recruter un char. Alors, est-ce que tu accepterais une paix, Jeanne? Parce que, après tout, hein. Non, il faudrait que je te paye 14 000 balles pour une paix, qui te reste une pauvre armée avec deux pécores et une cité mineure. Je crois qu'on. Cher quand même, hein. Je pense que tu te surestimes là, Jeanne. Désolé de te le dire. Bluff. Mais... Ouais. Tu bluffes, Martani. Il y a. Erreur. Il y a erreur sur la personne là. Bon bah, du coup, on va envoyer Pustule. Même s'il prend un petit peu d'attrition dans le désert. Ah, un assaut sur Itza. C'est bien. Faut agrandir ce territoire là.
Ouais, faudrait, idéalement. Est-ce que j'ai une bannière à plaquer? Ouh, tic 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 tic. Je vais mettre là, celle-là, ici. Hop, victoire décisive, merci. D'ailleurs, t'as un niveau, toi. T'as pris ça. Là. On va prendre la corruption empirique un peu, tiens. Mentor, ça fait quoi? Personnage partagera 15% de l'expérience obtenue avec tous les autres héros. Bah ouais, vu qu'on va essayer d'en prendre d'autres, pourquoi pas. Alors c'est un truc, ça peut faire un truc de snowball assez faramineux quoi. Je vois assez bien, ouais. Toi t'es plein, toi t'es plein, toi t'es plein, toi t'es plein. Toi il te reste un truc. Il me semble qu'on a topé un étendard ou une connerie du genre là, voilà. Un petit étendard tranchant pour le comte Nostradamus. Ici on prend de l'attrition parce que. Ah oui, parce qu'on rentre dans la province. En même temps, on pourrait se permettre de piller. On peut pas se mettre en raid, dommage. On va se mettre à la limite. Et après, on traversera le territoire d'Arcane en raid s'il faut. Lui montrer que bon, on commence à être un petit peu moins dupe de ces conneries. Ah, et lui, il a des artilleurs pirates dans ses armées, quoi. Fournis par Luthor. Si jamais Luthor était sur le point de disparaître. Non, cette armée, elle fait pas le poids contre ça là. C'est que du tier 3 ça. Ah ouais, non, les dryades c'est considéré comme du tier 1, oui, c'est vrai que les dryades ça reste des dryades quoi, mais. Rien que le stéganon ancestral, wow. 671 de puissance des tirs. J'ai rien pour descendre ça, quoi. Les lanciers squelettes en anti-large, on va les virer. Et on va les remplacer par deux vermines de choc avec hallebarde. Je pense que ce sera avantageusement remplacé. Ça sera pas mal. Alors, il y a un Morgul qui se balade là. Qu'est-ce qu'il fait? Fouiller. Répandre la corruption. Ok, ça me va. Il répand la corruption. Moi je prends. Bon, Manfred. Putain, l'autre il nous casse les. Hein. Lui il est en train de repartir par là, donc faut pas qu'on traîne. Donc on va tomber sur Lamia très rapidement, mais je suis pas sûr qu'on puisse passer. Ouais, on peut pas passer. Avec l'armée en renfort, ça va être chaud. Pas déjà d'attaque magique toi. Non. Perforation d'armure mais pas magique. Ah, on va pas pouvoir faire tomber aussi facilement. Tant pis, il faut se replier. Dommage. On va se mettre du coup en mode raid. Non, on est trop proche, faut qu'on recule. Est-ce qu'il peut venir nous emmerder là? D'ailleurs déjà là il peut venir nous emmerder. Alors lui il peut aller où il veut, mais là il est déjà en marche forcée. Donc il faut qu'on passe en marche forcée et qu'on se replie. Ok, pour l'instant on n'a pas la force, il faut qu'on ignore Krogar en fait. Et qu'on aille s'occuper de Lamia. Donc en avant Manfred.
va renforcer un peu Gael Dead, hein, qui après tout, c'est un petit piou-piou encore Gael Dead. Hein. Pauvre petit piou-piou. Bah ouais. Faut bien le dire, il débute le pauvre. Alors, Daedino, putain, il s'est déjà refait une armée pleine là, avec du Sauron béni et tout. Du Saurus béni, du Sauron béni. N'importe quoi. Bon, le Sauron béni, ça fait un peu trop hardcore. Ouais. On est d'accord, ouais. Tu peux me reconstituer avec ça? Oui, je peux me reconstituer parce qu'il y a de la corruption empirique, ça c'est bon ça. Allez, moi aussi je vais faire mon connard et je vais me mettre juste hors de portée de lui. De l'autre côté, c'est lui qui s'est mis hors de portée, je ne sais pas. Mais là, on va se reconstituer à fond, pouvoir leur retomber dessus. On a plus une thune. Alors, Chobiti. Chobiti. Où est-ce qu'on a besoin de toi? Sur ce front, est-ce qu'on va avoir besoin de toi? Est-ce qu'il a des héros arcane? Pas trop, hein. Ah si, il y en a là. On va aller par là. On va aller laminer un petit peu ces héros discrètement. Voilà. Non, mais il y a une banshee à côté de toi. Mais non, mais c'est pas moi. Je n'ai rien fait. Absolument pas. Là, on n'a pas la thune, malheureusement. Donc on va se rapprocher de Manfred. Donc là, on abandonne hein, ce front, comme prévu. Et je te laisse la main. Oh, moi j'ai fini. Moi. C'est vrai que ça marchait. Ça marchait dans le 2 où je te laissais vraiment la main, mais ouais. En tour simultané, c'est moins pertinent. Je te l'accorde. Là, franchement, le tour simultané, c'est un bon. Une bonne trouvaille, je trouve, vraiment. Ouais, bah c'était pas... Enfin, je pense que c'était pas simple à faire et ils se sont bien démerdés, quand même. Ouais, bah ils ont tenté la première fois dans... Third Kingdoms, quoi. Three Kingdoms. Mmh. C'est vrai qu'il y avait un... C'était pas mal. Et ils ont aussi... C'est aussi là qu'ils ont commencé à inclure les... participations aux batailles. Mais je pense que tu pouvais déjà le faire dans Napoléon Total War. Mais c'était... Ouais, dans Napoléon, tu pouvais même demander à des gens random, je crois, de rejoindre. Mais c'était pour les côtés ennemis. Tu pouvais demander à des gens de jouer les armées de tes adversaires. Du coup, c'était assez aléatoire parce que tu pouvais vraiment te retrouver avec un type en face qui te défonçait. Oui, c'était ça, tu pouvais, ouais, c'est... je me rappelle de ça, tu pouvais sur le menu lancer une partie et tu t'arrivais dans la campagne d'un gars et hop, c'était parti. Ah, Jeanne, elle me propose une pêche, j'avoue que j'hésite, parce qu'il lui reste plus qu'une pauvre cité mineure en plein dans les montagnes qui m'intéresse pas particulièrement. Et elle est quand même en guerre contre les Figuels de Gagage, donc ça pourrait jouer en ma faveur. J'ai bien envie d'accepter, je vais accepter. Enfin, une contre-off histoire de payer un peu plus de thune, mais... On va faire une paix avec elle, et du coup on va peut-être se concentrer sur Nagash. Ah, la lune crochue a échoué sa wag. Ça c'est cool. C'est chouette, hein. Ordre public, ça donne quoi? Ça va. Du coup, ça veut dire que là, on n'est plus prêt à cet assaut. Alors, si on rentre en guerre contre lui, là. Ça serait considéré comme un acte de trahison. Ah, il est allié aux pirates de Sartosa. Bon. On va pas tout de suite déclarer la guerre, on va aller tranquillement se diriger vers Nicolandor, la lame de soleil là. Ouais,
Then go. Hop. Et après, on va mettre fin au pacte d'accès, nos pactes de passage militaire. Là. Le truc commercial, ça me rapporte quand même 1000 balles par tour. Hein. C'est quand même rentable. Mais j'ai d'autres partenaires qui m'achèteront ces ressources. Donc, ouais, on va annuler ça aussi. On va lui faire comprendre que il se pourrait qu'on lui tombe dessus incessamment sous bientôt. On va enfoncer le clou en lui envoyant Chobiti. Alors ici, le monsieur, il commence à se déplacer vers nous. Your wish, master. Necropolis awaits. Ah, je suis pas sûr qu'on soit à portée là. Ici, on commence quand même à souffrir. Ouais, c'est pas ce qui me semblait. We shall rise. Fight. More sleep, child. Ah, ça progresse un peu, c'est bien. De l'argent, ça fait des thunes, tout. C'est tout ce qui compte. La thune, il me faut la thune. C'est précisément ça. Ouais, je vais essayer de viser l'agrandissement de mes villes majeures un peu là pour pouvoir améliorer mes capacités de recrutement. Ici, si je passe en marche normale, je peux lancer un assaut dessus. On va tenter. Daedino là. Père de merde. Excusez-moi, quoi, ça sert à ça. Et j'en ai une qui revient en plus. On prend la reconstitution. On va reculer. Alors, est-ce que je peux passer? Oh oui, je peux passer en invocation, parfait. Je peux même me reconstituer. On va reculer un peu pour pas être dans la portée de la garnison de la ville, même si elle est pas oufissime. Est-ce qu'on peut recruter des trucs intéressants? Pas trop. On va rester à 19 unités pour l'instant. Quoique, même un zombie pour absorber quelques skinks, ça peut servir. Ici on peut faire des trucs, on peut améliorer un peu la corruption. On peut améliorer un peu les sous, bah bien sûr. Bien sûr, quoi d'autre? Améliorons les sous. Daedino, t'as pris un petit niveau mon cher. Le sang noble de Neekara. Ah. L'invocation de Nek moins cher. C'est pas mal, hein. T'as quoi dans ton armée? Des gardes des cribes, des spectres des cairns. Résistance au sort, c'est pas ouf comme bonus, hein. Ça c'est pas mal par contre, on va booster ça. Et toi? Le vent de mort, ouais. Un petit vent de mort supplémentaire.
Alors en fait il est parti au Krogar là. Ok, il se balade dans la nature. Bien bien bien. Ah, il va falloir qu'on termine par contre l'épisode après ce tour. It is time. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'attaque? Bah, mec. Il tente une... Allez. Une attaque de la dernière chance. Tiens, on va la faire celle-là. Ouais, c'est ça. Enfin, on va pas la faire parce qu'on va terminer l'épisode, mais on la fera lors du prochain. J'espère du coup que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, dire ce que vous en avez pensé. Et bah, on va se dire à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Salut.